Ah, d'accord. OK. Bien. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je voudrais commencer mon propos en souhaitant une bonne fête des pères à tous les pères, à tous ces hommes qui ont eu la grâce et le bonheur de connaître la paternité. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue dans cette autre livraison sur nos différentes plateformes. Nous diffusons principalement sur les réseaux sociaux. Oh, pardon. Une seconde, s'il vous plaît. Je vous reviens dans une poignée de secondes. Juste une seconde. Oui, là, c'est bon. Voilà, donc, bonsoir. Je vous souhaite à tous et à toutes les bienvenues sur ce live. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que ce n'est pas le premier exercice que nous faisons sur cette page, dans cette logique de diffusion en streaming. Nous émettons ce soir sur nos plateformes que sont Eric Kouama Officiel et notre chaîne YouTube Kef Media. Alors, je suis ravi de vous retrouver et je le suis d'autant plus parce que nous sommes battus bec et ongles pour pouvoir honorer ce rendez-vous. C'est un rendez-vous de vérité. Je le dis parce qu'il est important de planter le décor. Les réseaux sociaux sont un espace de communication publique, un espace de communication de masse, et donc la liberté d'expression, la liberté de communication, y a tout son sens. Depuis l'annonce de ce live, j'ai lu avec beaucoup d'attention tous les différents commentaires, toutes les différentes réactions des hommes et femmes à travers la planète. Évidemment, le sujet est digne d'intérêt parce que depuis le déclenchement de l'affaire Marker Wafo, vous comme moi étions dans l'expectative. Il y avait un vent de spéculation du fait de l'absence de la prise de parole par le principal concerné. Et donc, depuis le déclenchement de cette affaire, nous l'avons suivi, nous avons pris le train sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, à la suite d'une communication officielle. Du président Chop Chop, qui est présentateur d'une émission sur une chaîne de télévision privée au Cameroun. Et depuis cette communication, cette affaire a pris une nouvelle tournure avec l'appui d'autres influenceurs. Je voudrais déjà rappeler que je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas à la recherche des likes, je ne suis pas à la recherche d'une notoriété quelconque, je ne suis pas en quête des abonnés sur nos plateformes numériques. Je voudrais que cette précision soit claire une bonne fois pour toutes. Et donc, lorsque vous vous abonnez sur nos plateformes, nous souhaitons que vous soyez
des internautes et des abonnés exemplaires. L'exemplarité sur nos plateformes digitales se traduit par des commentaires respectueux. Nous exigeons le respect dans les différents commentaires. Nous exigeons que ce respect soit mutuel entre vous et nous. Je dis nous parce qu'évidemment, je travaille avec une équipe. Nous exigeons également que des propos injurieux, des propos à connotation tribale ne soient pas publiés ou diffusés sur ces plateformes sous peine de radiation immédiate. Il faudrait que ce soit clair. Je pense que beaucoup nous découvrent ce soir. Beaucoup arrivent sur la page et nous découvrent pour la première fois. Je voudrais que les choses soient claires avant, bien sûr, de donner la parole au principal concerné. La deuxième chose à dire, c'est que je suis un disciple de la vérité et je ne recule devant rien, mais alors rien du tout, et je pense que vous le savez. Lorsque cette affaire a déclenché, nous avons ouvert une enquête parallèle. Le journalisme est une science et la science n'est pas du tout en accord avec la subjectivité, avec les émotions. Et donc, les méthodes d'enquête et de vérification de l'information sont nos principes cardinaux. Et c'est donc dans cette optique, dans cette dynamique, que nous avons en exclusivité donné la parole à la mère de la victime, cette jeune fille qui a été, voilà, qui est au cœur de cette action, cette jeune fille mineure qui est au cœur de cette affaire. Nous avons donné la parole à cette jeune maman pour apporter des clarifications. La troisième chose à dire, c'est qu'évidemment, dans le traitement de toute information, la notion de l'équilibre est une réalité. Je vous dirai tout au long de cette émission la démarche que nous avons engagée pour produire ce résultat. Alors, je vous prie donc de partager le live, de partager, hein, si vous y trouvez un intérêt, s'il vous plaît, afin que, voilà, nous ayons un nombre important de personnes qui en soient informées et qui en soient touchées. Donc, je vous prie de partager et je vous prie, s'il vous plaît, de mettre également des cœurs afin que, voilà, de mettre des cœurs afin que la fluidité de notre live ne souffre d'aucun doute. Alors, vous êtes donc nombreux à nous rejoindre pour la première fois et sachez que vous êtes sur une page qui gère des dossiers assez lourds avec des méthodes de vérification qui sont assez exigeantes. Nous avons traité le cas d'un jeune garçon de 19 ans qui est mort dans des circonstances troubles des suites d'un empoisonnement. Nous avons également traité le cas d'une petite fille de 5 ans qui est décédée, il faut le dire, qui est décédée à la suite d'un viol. Cette petite fille de 5 ans avait été violée par son grand-père et elle en est morte. Nous avons donné la parole à ses parents et l'affaire est pendante devant les tribunaux à Douala, au Cameroun. Nous avons des principes cardinaux et nous avons des valeurs que sont la vérité, la solidarité et l'intégrité. Donc, en d'autres termes, lorsque nous saisissons d'un dossier,
Nous nous entourons, comme nous le pouvons, à notre façon, des garanties pour faire jaillir la vérité. Et nos principes sont la vérification de l'information, l'équilibre et la parole aux acteurs clés sans parti pris. Nous respectons les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme vous le savez, qui indique clairement que tout homme peut jouir de la présomption d'innocence. Et je pense que cette disposition est assez claire dans les textes juridiques au Cameroun. Et donc, c'est la loi qui le dit. Vu sous cet angle, il est important d'écouter, de donner la parole aux différents acteurs lorsqu'on a affaire à une situation quelconque. Alors, ce soir, nous allons donc donner la parole à Monsieur Macaire Wafo, après avoir bien sûr donné la parole à la maman de la victime. Vous avez dû voir le live sur cette page. L'affaire, il faut le rappeler, a déclenché, il s'est répandu comme une traînée de poudre. Macaire Wafo, homme de médias, a été évincé de son siège de chroniqueur dans une émission de télévision au Cameroun. Des jours après, il était dans l'émission dans l'Opinion. Il est entré par la porte des accusations d'une affaire de fuite de Voice, une affaire de mœurs, des échanges intimes avec une jeune fille. Les voix dans ces échanges sont présentées comme étant celles de Macaire Wafo et sa propre fille, une gamine de 14 ans, avions-nous appris à l'époque des faits, avec qui il aurait entretenu des rapports intimes. Alors clairement, il est accusé de viol et d'inceste, les échanges vocaux ayant fait le tour du monde. Des mois après, nous avons poursuivi notre enquête en douce, silencieusement et tout doucement, et nous avons pu remonter le fil, remonter l'histoire, et nous avons réussi à donner la parole à la maman de la jeune fille. Et ce soir, nous allons justement, vous verrez en fait de quoi il s'agit dans cette affaire, où se trouve réellement Monsieur Macaire Wafo, quel type de relation a-t-il entretenu avec sa fille, quel type de lien les unit, la jeune fille et lui, pourquoi n'a-t-il pas réagi depuis longtemps? Où en est l'enquête? Autant de questions que nous poserons aux concernés. Eh bien, il nous a posé évidemment une condition pour participer à cette émission. Et la condition, c'était de faire venir la maman de la jeune fille, parce qu'il souhaitait évidemment avoir une confrontation. Et donc, voilà, il avait souhaité qu'elle participe. Et donc, nous avons eu voilà, un échange avec la maman de la jeune fille dans le cadre de la médiation. Mais bien avant, je voudrais annoncer que nous avons eu une masse d'informations sur cette affaire que nous partagerons avec vous ce soir. Et donc, je voudrais demander à monsieur, à la réalisation, de faire venir monsieur Macaire Wafo. Et bien entendu, on va également faire entrer en connexion avec la maman de la victime, qui devra elle aussi être en ligne, voilà, pour apporter des clarifications sur des points importants. Alors, monsieur Macaire Wafo, bonsoir. J'espère que la qualité sonore est bonne. Vous pouvez me rassurer si vous l'entendez ou pas. Alors, très bien. Alors, première question, Monsieur Macaire Wafo, comment allez-vous ce soir? Eric, je vais bien. J'espère que toi également. D'accord. Alors, vous réagissez tout ce soir parce que selon les informations que nous avons eues, vous aurez quitté le Cameroun. Mais depuis que nous avons engagé notre démarche de vérification, il s'est avéré que vous étiez au Cameroun. Est-ce que vous avez eu à quitter le Cameroun
à un moment ou un autre, le déclenchement de cette affaire. Alors, Eric, l'information qui est bonne à retenir maintenant, c'est que contrairement à tout ce qui se dit, les commentaires que j'ai vus depuis que tu as fait ton poste aujourd'hui, je crois hier, je suis au Cameroun. Je pense que tout le monde voulait s'assurer de ma présence au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je peux même indiquer que je suis dans la ville de Douala. C'est-à-dire que pour être assez précis dans cette information, en plus d'être au Cameroun, je suis dans la ville de Douala. Je pense que c'est ce qui préoccupait les gens depuis. Je suis au Cameroun. D'accord. Alors, vous n'avez jamais quitté le Cameroun, c'est bien ça? Je suis au Cameroun, Eric. D'accord. Alors, avant bien sûr de poursuivre, voilà, de rentrer dans des questions plus profondes relatives à cette affaire, est-ce que vous pourrez nous dire comment vous êtes arrivé à accepter de répondre à nos questions sur nos différentes plateformes? Alors, c'est très bien d'en parler. Je voudrais déjà saluer toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et aussi celles qui nous écoutent. Et déjà m'excuser de ma posture dans ma vidéo de confirmation du direct. Beaucoup se sont plaints de ce que je faisais preuve d'arrogance et de comportement déconcertant. Parce que dans ma vidéo de confirmation au direct, j'avais porté un chapeau et des lunettes. Je tiens à m'en excuser. C'est pour ça que ce soir, j'ai tenu à continuer ce direct sans lunettes et sans chapeau. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a confirmation de ce que c'est bel et bien moi, Macaron. Maintenant, sur la démarche qui a mené à ce direct aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde sache. Que tout le monde sache, et je prends Eric, l'aîné à témoin, très humblement, c'est un aîné dans le métier. C'est moi qui suis venu à Eric. Eric ne m'a pas trouvé. Eric ne m'a pas trouvé quelque part. C'est personnellement, j'ai décidé si je m'arrête, m'arrêter. C'est moi qui ai contacté Eric et je lui ai dit que je tenais à m'exprimer. Je pense que c'est bien ça, Eric. Alors, j'ai décidé de contacter Eric. Pourquoi? Parce que quand l'histoire a déclenché, j'ai observé un peu la réaction des gens. J'ai observé les posts des gens et des personnes que je pensais sérieuses dans le métier. C'est-à-dire que des personnes qui ont quand même une modeste histoire avec le métier de journalisme ou d'homme de médias. Beaucoup n'ont pas eu la même démarche, la même posture que toi, Eric. Beaucoup se sont fait passer pour les procureurs, c'est-à-dire qui ont vite fait de m'accabler. Autant le grand frère Eric, il a quand même pris celui de dire que la présomption d'innocence existe. Et nulle part, je n'ai entendu, ou vu, ou lu Eric me condamner sans avoir les preuves de quoi que ce soit. Ce que je n'ai vu nulle part dans d'autres pages. Donc, pour moi, c'est une démarche que j'ai qualifiée de professionnelle, de clairvoyante et même de transparente. C'est-à-dire qu'avec tout ça. D'accord. Alors, il était important d'apporter cette clarification, mais je dois indiquer également qu'en parallèle, nous avions engagé une démarche de vérification et avant le dernier post que j'ai fait sur la page relative à qui était intitulé sur les traces de Marc-Pierre Waffaud, nous étions rentrés en communication avec quelques amis, quelques-uns de vos proches, et nous avions eu des informations sur vous, mais nous n'avions pas encore pu tout les vérifier. Mais de toutes les façons, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, monsieur Marc-Pierre Waffaud, vous êtes au cœur d'une affaire de mœurs qui vous oppose à une petite fille de 14 ans, une fille mineure, qui est présentée comme étant votre fille. Alors,
Je voudrais que vous puissiez regarder tous les Camerounais, tous les internautes qui vous écoutent ce soir, dans les yeux, à travers la caméra de votre téléphone, votre ordinateur, et que vous me répondiez à la question suivante. Kewafo, avez-vous eu une relation intime avec votre propre fille ou pas? Pas bien suivi, Eric, pardon. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre propre fille ou pas? La réponse est catégorique, non. Et j'ai entendu parler du viol. Je n'ai jamais violé une femme de toute ma vie. De toute ma vie. Si vous connaissez, nous sommes sur Facebook, une seule fille, une seule femme qui peut témoigner d'avoir été violée par Makaro Afo, qu'elle fasse son témoignage. Je n'ai jamais violé une femme, je n'ai jamais couché avec ma fille. Oui, mais sauf que, pour le cas précis, vous ne répondez pas à ma question. La question est la suivante. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre fille ou pas? Non, jamais me dit non. C'est plus que non même. Quand je dis jamais, plus que non. Mais nous avons eu accès à des échanges assez compromettants entre votre fille et vous, à des voices assez compromettants quand même sur une intimité avec votre propre fille, où vous êtes allé jusqu'à lui présenter des images de vos parties intimes. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous reconnaissez ces faits, que s'est-il réellement passé? Comment en êtes-vous arrivé à envoyer de tels messages à votre propre fille? Comment en êtes-vous arrivé là? D'accord, Eric. Je suis bien partant pour répondre à cette question. Je n'ai aucun gêne à répondre à cette question, mais je vais revenir parce que cette interview est suivie également par mon avocat, Maître Pokam, du cabinet Pokam, dans la ville de Douala. Et je vais revenir sur le souhait que je t'ai émis à toi, Eric, depuis le début de notre entretien. Je le dis encore et je l'ai dit dans ma vidéo de confirmation à ce live. J'ai dit, et je reviens le dire aujourd'hui, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions, sans exception. Mais si la mère de la fille, parce que j'ai dit, il est question pour moi aujourd'hui, que toute la vérité soit dite. C'est moi qui vous aime encore. Je crois que j'ai lancé tout à l'heure à 19h par là, parce que j'ai bien l'intention de parler. Mais je dis et redis que si la mère de cette jeune fille ne participe pas à ce live en direct, qu'il y a une sorte de contradiction, qu'il y a une sorte de confrontation. Je suis désolé, Eric, j'ai tellement de respect et de considération pour toi, et je ne répondrai à aucune question. Si elle ne se présente pas ici, si elle ne participe pas en live vidéo ici à ce direct, grand frère, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et auprès de toi. Et je te l'ai dit aujourd'hui, en fin d'après-midi, je te l'ai bien dit, grand frère, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit encore, ça fasse encore l'objet d'un lynchage. Je te prends à témoin. Je t'ai dit aujourd'hui, il était 15h, que tant que la mère de la fille ne participait pas à ce live, je ne ferai aucune déclaration. Je suis ouvert, je suis présent. On peut rester là même jusqu'à minuit, je l'attendrai. Mais tant qu'elle ne se présente pas, je suis désolé, je ne reprends pas une question. Et Oui, ça, mais je vous comprends. Une parenthèse. Une parenthèse. J'ai l'impression qu'il y a. Vous êtes dans un endroit assez bruyant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit à l'endroit où vous pourrez baisser le volume des différents récepteurs autour de vous, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Tu m'as pas écouté, Eric. Oui, je vous ai entendu. Je vous ai entendu parfaitement. Effectivement, vous l'avez dit. La maman de la victime, aux dernières nouvelles, estime qu'elle a donné sa version des faits. Et là, j'ai échangé avec elle.
jusque le début de ce live. Et donc, en quoi c'est important qu'elle soit là? Par respect pour les téléspectateurs, pour les auditeurs qui vous écoutent. Il y a beaucoup de bruit, ma mère, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Très bien. Vous pourrez couper le son des appareils que vous avez autour. Une seconde, s'il vous plaît. Non, on va laisser. Eric. Allô? Oui, c'est bon? Allez-y. C'est bon? Non, il y a des bruits, il y a beaucoup de bruits. J'ai la peine à vous entendre. C'est plus maintenant. Alors, ce que je dis et redis, il est important pour moi que la mère de cette jeune fille soit là parce que je ne voudrais pas arriver ici et faire une sorte de récit. Je peux arriver ici et je donne simplement ma version de fait, ça ne changerait rien. Mais je voudrais que tes différents internautes, tes abonnés, les personnes qui ont pris sur elles de se priver des engagements, de la prise en charge, je ne sais pas trop, de leur famille, pour se concentrer à ce direct, assistent à un moment de vérité. C'est-à-dire que je parle et cette femme me réponde et qu'elle parle et que je réponde. Je voudrais ici que ce soit même un avant-goût de la confrontation qui va se dérouler du côté du CERF la semaine prochaine. Je peux déjà informer les gens ici qui ont dit que je ne suis pas au Cameroun, qui ont dit que j'ai fui. Rendez-vous est pris au CERF la semaine prochaine pour ma version des faits et la confrontation avec la mère de la jeune fille. Je ne suis personne. Et je le dis encore, grand frère Eric, si la mère de cette jeune fille. Vraiment, ce direct est également suivi par mon avocat. Je rappelle son nom, maître Procam des cabinets Procam. Si je dis je suis prêt, je suis attendu jusqu'à minuit qu'elle se présente. J'ai mis des datas pour ça. J'ai tout mon temps pour ça. Tu peux la recontacter comme tu veux. Mais si elle ne se présente pas ici, je ne voudrais pas faire ce qu'elle a fait la dernière fois avec toi. C'est-à-dire que venir s'asseoir et dire que Maquet va faire ici, Maquet. Non, elle s'assied là, on se regarde les yeux dans les yeux et on parle aux Camerounais qui ont été choqués par cette affaire. Qu'elle se place là et qu'on parle aux gens. Je ne veux pas venir m'asseoir et faire... Oui, mais donnez donnez votre version des faits. Elle essaie d'exprimer, la dame. Elle a donné sa version des faits. Nous ne sommes pas à la justice ici. Vous le savez, n'est pas la justice. Est-ce que vous n'êtes pas le secrétariat d'État à la défense? Vous n'êtes pas la gendarmerie. Vous l'annoncez, une confrontation est prévue la semaine prochaine, je crois, c'est le 28, je ne sais plus, mais il y a une confrontation qui est prévue puisque vous êtes convoqué au CED, au secrétariat d'État à la défense. Ce sera déjà pour répondre des quels chefs d'accusation. Alors, Eric, tu fais bien de préciser que ce live n'est pas une affaire de justice. Il n'est pas une affaire de justice, ce n'est pas un tribunal. Et qu'on n'a pas besoin d'une confrontation. Et également, je pourrais répondre, grand frère Eric, que parce que Facebook n'est pas un tribunal, je n'ai aucune obligation de répondre à ta question. Je voudrais qu'on se comprenne un peu. Tout à fait. Je pense que vraiment, j'ai été assez conciliant. Grand frère, je pouvais même ne pas te contacter et discuter directement au CERF la semaine prochaine. Je n'avais aucune obligation. Personne ne m'oblige à parler sur Facebook. Je dis bien personne. J'ai pris sur moi de t'appeler et de te dire que je veux parler. Maintenant, si après avoir fait le premier pas, manifester l'intérêt de parler et que la mère de la fille ne voudrait pas une sorte de transparence parce que il y a Facebook, il y a la justice, il y a la réalité. Facebook, c'est un autre monde. Donc, pour moi, ce live est suivi par beaucoup de personnes pour qui j'ai tellement de respect, vraiment, parce que je sais que ce live était beaucoup attendu. Beaucoup de personnes voulaient savoir tellement de choses dessus. Mais si la condition, et c'est pour ça que dans ma vidéo de confirmation que je t'ai envoyée depuis hier, j'ai bien précisé que la mère de la fille devait être là. C'est pour ça que j'ai tenu pour qu'il n'y ait pas d'amalgame le jour du live. C'est pour ça que j'ai dit que je devais parler à la condition qu'elle soit là. Au moins, si je me présente là aujourd'hui, c'est au moins une preuve de sincérité. Donc, nous n'avons aucune obligation d'être là et de chercher à être là. OK ?
Maintenant, pour information supplémentaire, pour ceux qui veulent être vraiment dans le champ de cette affaire, ces personnes doivent savoir que mon conseil m'a représenté avant-hier du côté du CNAYAOundé. Il était 9 heures. Mon conseil a pris connaissance de du procès-verbal de la mère de la fille et il est question pour moi de monter avec mon conseil à Yaoundé la semaine prochaine pour me faire entendre et pour la confrontation avec la mère de la jeune fille. Pour les personnes qui avaient besoin des informations sur cette affaire, voilà, je viens de dévoiler ici des éléments d'information au grand public, ce qui n'est même pas obligatoire. Je le fais de bonne foi. Et je rappelle encore ici, parce qu'il y a aussi un monsieur qui attend beaucoup ce direct, qui est très concerné, très impliqué par cette affaire, qui a fait de la surenchère, de la récupération pour régler ses comptes avec moi. Je sais qu'il regarde. Alors, qu'il prie pour que la mère de la fille ne se présente pas. De quoi Et c'est ce s'agit-il? Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? monsieur se reconnaît. Il a fait un direct. Il a fait un direct. Il a montré à tout le monde entier qu'il avait forcément l'intention de récupérer cette affaire, de faire de la surenchère. C'est ce monsieur qui a dit, justement, j'en profite, c'est ce monsieur qui a dit que non seulement j'ai violé cette jeune fille, j'ai violé les filles de mon quartier. Eric, tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Je le mets au-dessus. Tout le monde le connaît et tu le connais. Il est en train de regarder ce direct. Sa femme est en train de regarder ce direct. Je le mets au défi. Il se reconnaît de faire une vidéo de 10 secondes, pas plus, de 10 secondes où il dit, où il prend sur lui, où il prend sur lui et dit, Maker Wafo a violé sa fille. Je le mets au défi de faire une vidéo de 10 secondes où il fait cette affirmation et il met sur Facebook. Je suis sûr qu'il est en train de regarder cette vidéo. Je suis sûr qu'il regarde ce live et que sa femme regarde. C'est un défi que je le lance ce soir. Mais vous parlez de qui, en fait? Je ne vous comprends pas. De quoi s'agit-il? Eric, vous êtes un journaliste. Je ne doute pas de votre intelligence. Je sais que vous savez de qui je parle. Et même vos internautes, vos abonnés savent de qui je parle. Je le mets au défi ce soir. Je dis bien, je le mets au défi. Que ça aille pas. De fait, ça veut dire que s'il sait que j'ai véritablement violé cette jeune fille, s'il a les preuves, qu'il prenne sur lui, c'est un responsable. OK? Un peu comme quand l'affaire a commencé, il est sorti, il a fait de la comédie. Qu'il prenne sur lui de faire une vidéo, je ne demande pas plus de 10 secondes, où il dit tout simplement cette phrase, moi. Il donne son patronyme, pas son nom de comédien ou d'acteur, je ne sais pas trop. Où il donne son patronyme et il dit, je prends sur moi de déclarer que Monsieur Tinda Wafo Macaire a violé sa propre fille. Qu'il fasse une vidéo de 10 secondes. Qu'il mette sur Facebook. Lui, dans Mais pourquoi vous qualifiez votre fille de soi-disant de fille? Pourquoi vous utilisez l'expression soi-disant de fille? Pourtant, il s'agit bien de votre fille. Pourquoi vous qualifiez votre fille de soi-disant de fille? Pourtant, il s'agit de ma fille. Mais vous la qualifiez de soi-disant de fille. Pourtant, c'est votre fille. Attends. Et les éléments, les voix, les photos, les échanges que vous avez eu avec votre fille attestent bien qu'il y a eu voilà, une intimité entre vous. De quoi s'agit-il? Ok, bon, Eric, vous, ça veut dire que Monsieur Eric Pomo également affirme que c'est ma fille, si je comprends très bien. Ah non, mais je vous pose la question, parce que je vous entends dire, depuis que vous utilisez l'expression soi-disant de fille. Et je veux comprendre en fait pourquoi vous la qualifiez de soi-disant de fille et vous ne dites pas ma fille. Je n'ai pas dit soi-disant. Soi-disant serait un peu choisifier la fille. J'ai dit la fille. Je reste très poli. Et vraiment, les mots que je prononce depuis le début de cette affaire sont bien calculés. Je n'ai pas dit soi-disant fille. Prêtez-moi de l'argent, monsieur Eric Wamoun, ne prêtez pas des mots. J'ai dit cette fille. Dis Mais soi-disant. pourquoi vous l'appelez cette fille? Pourquoi vous ne dites pas ma fille? Vous souhaitez que je dise vous souhaitez que je dise ma fille? C'est votre vœu? C'est une question, Macaire. C'est une question sur la base des informations qui ont circulé. C'est une question. Pourquoi vous ne dites pas ma fille? Pourquoi vous préférez, voilà, la qualifier de la fille? Veut dire que si jamais dans la rue, on me dit, voilà la fille d'Éric Pamot, je vais dire, lui, c'est la fille d'Éric Pamot sans avoir de preuves, c'est ça.
sur la base de ce qu'on a Écoutez, été je pense que non, grand frère, je coupe une seconde, on va faire tout. Vraiment, je le dis, je le redis encore. Il est 20h46 minutes. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on perde du temps aux gens qui ont pris vraiment de leur, qui ont accordé de l'intérêt à ce qu'on veut faire ce soir. Pour moi, rester là, à épiloguer, sans leur dire ce qu'ils veulent entendre, c'est leur perdre du temps. Je répète encore une énième fois. Et je prends des internautes, des abonnés, que je respecte à témoin. Ils ont tous, je dis bien tous, pris connaissance de la vidéo où je confirme ma présence à ce direct et où j'indiquais que si la mère de la vidéo ne se présentait pas. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais en dire. Eric, je reviens sur ces mots pour dire que, au moins, sur la base que mon exigence n'a pas été respectée aujourd'hui, et je prends les internautes à témoin, je n'ai aucune obligation de m'exprimer. Et je rappelle encore, je vais te laisser la parole tout de suite. Je suis là, où je suis assis là, je suis prêt à attendre jusqu'à minuit. C'est-à-dire que Eric, tu peux aller l'appeler, tu négocies pour qu'elle vienne, j'attends. Elle vient, je me prononce sur toutes les questions qui intéressent tous tes abonnés. Je dis toutes les questions, même les plus banales. Je me prononce si elle vient. Si elle ne vient pas, je ne dirai plus un mot. Et parce qu'il est 20h47 minutes et qu'on n'a pas encore vraiment dit quelque chose d'intéressant à tes internautes, Eric, ça veut dire que pour le moment, on a le choix tous les deux. Ça veut dire que quand tu essaies de convaincre la mère de venir, la mère de fille de venir, on continue. À dire pour moi, je ne dirai plus un mot. Okay. D'accord. Écoutez, je pense que nous devons du respect. Personnellement, je dois du respect à toutes les personnes qui ont pris la disposition pour nous écouter et pour nous suivre. Juste si je dois indiquer que nous n'avons pas eu de véritable réponse à nos questions. Pourtant, nous en avions des doutes sur cette affaire. Je reconnais que vous avez effectivement posé cette exigence. Nous avons pu rentrer en communication avec la victime. Effectivement, elle s'est exprimée déjà sur le page, elle est son droit d'accepter ou pas, mais aux dernières nouvelles, elle n'est pas, elle ne viendra pas du tout. Donc, il faut le dire en transparence à nos internautes parce que nous vous devons du respect. Et donc, de ce fait, écoutez, on n'aura pas de temps à perdre ce soir. Je vais devoir arrêter ce live, malheureusement. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de notre démarche. Nous vous devons du respect, mesdames et messieurs. Je pense que si vous venez de votre temps, de nous suivre, c'est effectivement de l'intérêt. Nous voulons la manifestation de la vérité dans cette affaire. Et donc, si nous n'avons pas cette possibilité, eh bien, je vais devoir l'interrompre. Et puis, je vais vous poser une question de passer une bonne soirée. Est-ce que vous avez un dernier point? On continue sur cette logique ou on arrête? Ok, d'accord. Bon, Eric, merci beaucoup. J'apprécie ta compréhension. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais dire aux gens qui sont très intéressés par cette histoire, c'est que, bien, je suis au Cameroun. C'est-à-dire que personne ne cherche plus. Je suis au Cameroun. Je suis même dans la ville de Douala. Beaucoup m'ont déjà vu. Beaucoup m'ont vu dans la ville de Douala. Je me suis coiffé aujourd'hui à Douala. J'ai fait mon soin de visage dans un institut de beauté de la ville de Douala. Je suis à Douala. Et maintenant, pour l'évolution de cette affaire, pour les personnes qui disent que j'ai disparu, je ne suis pas face à la justice, rendez-vous est pris avec mon conseil à la fin de ce mois du côté du CERF à Yaoundé. Ceux qui sont très intéressés par cette affaire, si vous avez des connexions au CERF, allez vous renseigner. On vous dira quelles sont les informations réelles de cette affaire. Rendez-vous à la fin de ce mois, moi le concerné, mon conseil, c'est-à-dire mon avocat, Maître Okam, la mère de la fille, pour la confrontation. Et aussi, vraiment, j'aimerais ici d'abord te remercier toi, parce que je rappelle encore que, je l'indique encore que, j'ai beaucoup apprécié votre démarche, beaucoup. J'indique ici que nous n'avons eu aucune conversation secrète, c'est-à-dire que j'ai lu quelques commentaires sur votre page où les gens ont dit que nous essayons d'arranger des choses ou de maquiller des choses. J'indique ici que
Eric Poimon est libre de publier nos conversations. Non, Baker, c'est à moi de le dire. C'est à moi de le dire. Votre rôle ce soir, c'est de répondre aux questions. Votre rôle ce soir, c'est de répondre aux questions. Malheureusement, vous n'êtes pas disponible à des éléments de réponse. Donc, ce n'est pas grave. Nous allons simplement les répondre. En tout cas, je vous remercie. Hein. Je vous remercie d'être venu. On ne va pas perdre du temps. Je vais partir. Mais je rappelle encore, parce que c'est important, je rappelle encore au monsieur qui a récupéré cette affaire, je le mets au défi, que tous les Camerounais nous écoutent, que toute la communauté nous écoute, et je suis sûr que ce message va lui parvenir. Il a certainement des amis qui regardent ce live, sa femme regarde ce live, il connaît assez. Bien, écoutez, Macaire, je vous remercie d'être venu, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on continue souvent la suite de votre scène. Nous allons suivre le plan et nous espérons que la vérité sera. La vérité jaillira et que vous serez la tête. En tout cas, merci d'être venu, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas perdre de votre temps. J'ai pris du temps, un temps énorme. Je me suis investi énormément. Pour préparer ce direct. Je suis désolé qu'on en soit là. Ben, écoutez, la maman de la jeune, de la victime, n'a malheureusement pas voulu, n'a malheureusement pas voulu réagir. Pourtant, on était d'accord sur le principe, d'où la décision opérationnelle de lancer ce live. Mais au courant en début de soirée, elle a changé. Elle n'a pas souhaité intervenir. J'aurais souhaité qu'elle soit au téléphone pour pouvoir apporter une contradiction. Ça n'a pas été fait. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je ne vous cache pas, moi aussi, ma déception. Nous avions pas mal de questions à lui poser ce soir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, la justice sera faite. Vous pouvez vous-même vous faire une opinion. Sur cette affaire, je ne cache pas ma gêne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je n'en dirai pas plus. Mais bonne soirée à tous et bien. Au revoir.